Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler d'Mbappé qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important, je compte sur vous. Et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. En Espagne, cela ne fait plus aucun doute, en fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid à compter de la saison prochaine. Mais les exigences de sa mère concernant sa prime à la signature pourraient entraver les plans de l'attaquant français Mbappé et du Real Madrid. À 3 mois avant la fin de son bail avec Paris, Kylian Mbappé reste discret sur son avenir. Très affecté par la nouvelle élimination du PSG, le club de la capitale, en 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Désormais, Mbappé est concentré sur la fin de la saison avec l'ambition de décrocher le titre de champion de France avec Paris ainsi qu'un nouveau titre de meilleur buteur. De son côté, le PSG ne désespère pas et de prolonger l'attaquant français et semble prêt à tout pour le convaincre de rester à Paris. Mais s'il n'a pas fait part de sa décision quant à son avenir, le prodige français Kylian Mbappé serait toujours déterminé à signer pour le Real Madrid qu'il avait voulu déjà rejoindre l'été dernier. Une volonté qui aurait été renforcée par la nouvelle défaite, la nouvelle désillusion du Paris Saint-Germain vécue sur la scène européenne, cette fois-ci face au madrilène, le Real Madrid. Il aurait même déjà donné son accord pour rejoindre le club madrilène, mais l'affaire ne serait pas réglée en coulisses. Alors que Kylian Mbappé peut s'engager libre dans le club de son choix, sa mère réclamerait 150 millions d'euros de primes à la signature, selon certains médias espagnols. Cette exigence correspond à la somme proposée par le PSG pour convaincre le champion du monde 2018, Mbappé, de poursuivre l'aventure dans la capitale française, et ce serait le principal obstacle à une arrivée d'Mbappé au Real Madrid qui ne serait pas disposé à lui verser ce montant. D'après les dernières informations des médias espagnols, le Real Madrid serait néanmoins confiant dans sa capacité à boucler l'arrivée de l'international français Kylian Mbappé et mise beaucoup sur la volonté du joueur pour boucler sa signature. Mais jusqu'à ce que sa décision définitive soit connue, l'avenir du français Kylian Mbappé devrait continuer à faire couler beaucoup d'encre. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est vraiment une bonne idée? Est-ce que selon toi, l'international français Mbappé va réellement apporter à Madrid? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste ici, évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut à la prochaine.